Voilà, donc après vous allez aller dans le panneau effet. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo l'équipe. Aujourd'hui on va faire un tuto sur Adobe Premiere. Je vais vous montrer comment flouter une partie, une tête. Bon là ce sera la tête mais c'est le exactement le même principe. Pour voilà. Donc j'ai pris une vidéo à moi que j'ai faite pas tout à l'heure mais bien hier. Là je vais couper un petit bout. Hop. Voilà, donc après vous allez aller dans le panneau effet qui se trouve juste là. Voilà. S'il n'est pas affiché, bah vous allez dans fenêtre, effet. Vous aurez besoin de options d'effet aussi. Donc, alors, vous avez le flou gaussien. Donc, gaussien, c'est ça. Vous mettez option d'effet. Donc, gaussien, c'est ça. C'est le basique en fait. Comme sur. Bah, comme dans Minecraft. Voilà, donc ça, en gros, ça fait ça. Donc là, je vais vous montrer la mosaïque et après le flou gaussien. Voilà, donc. Alors, vous faites un rond. Un rond ici. Comme vous voulez, quoi. Alors, moi, je vous conseille d'agrandir la timeline. Comme ça. Ça, c'est plus précis. Voilà. Donc après, là, vous faites un suivi. Suivi le mouvement. D'ailleurs, abonnez-vous. Likez, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que je vous ajoute sur Snapchat, je vous mets mon petit. Bon voilà les gars, c'était la fin de la vidéo. Comment flouter un visage. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le demander. Likez, abonnez-vous, partagez, lâchez un petit commentaire. Pourquoi je dis à chaque fois, lâchez, mettez un commentaire en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et le robot, enfin le robot YouTube aussi, il va examiner. Parce que les gars, je suis pas encore monétisé, hein. Donc tranquille. Bah allez, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.